Un 2, un 2, un 2. Trop que, trop que, trop Ma gueule. C'est que ça finira dans un making-of au tout début de la vidéo. Là. Attends, qu'une chose, c'est que je fasse l'intro. T'es vraiment une connasse. Est-ce que tu filmes? Oui, je filme. Bonjour à tous. Yo les gars, c'est Coco Cam Jam, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va extrêmement bien. C'est gênant. Putain. Je tourne jamais de vidéos avec du monde, moi. Yo les gars, c'est Coco Cam Jam, j'espère que vous allez bien, moi écoutez, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo que je n'ai absolument jamais faite. Normal, on t'a jamais de cadeau. Puisque comme tu l'as vu dans le titre, on a fait un swap avec Cassandre. Mais pourquoi tu l'aurais dit pas? Mais parce que ça va pas, je coupe, putain, il a été ban en plus. Et oui, je tourne cette vidéo en public parce qu'elle voulait absolument voir ce qu'il y avait dans le colis, donc donc voilà, d'ailleurs ramène-moi le colis s'il te plaît. Non. Si. Je suis pas ton chien. Main magique. Ici, s'il te plaît. Voilà, je préfère. Moi aussi, je t'aime. Allez. Mais le mot dans le bon sens, il y a un sens. Il y a un sens. Ah, m'a fait un sens. Mais et où tout. Le sens? Marqué en gros dessus. Ah. Moi, je vous dis, faire des vidéos avec du monde. Ah, mais j'ai pas vu ça. Donc, il faut savoir une chose, c'est que c'est un swap à thème. C'est-à-dire qu'elle m'a envoyé un colis girly et moi, je vais devoir lui envoyer un colis de mec. Donc, vous pouvez remarquer le magnifique emballage licorne. Merci Cassandre. De toute façon, le thème, c'est girly. Et elle a bien précisé ici, haut du swap, ouverture, swap girly. Par contre, le haut du swap, du coup, il est là ou il est bah, là? C'est... Mais t'es con. Il est là, hein. Mais non, moi, je pense que... Il est là. C'est ça, le haut. Ah, je veux comme ça. Est-ce qu'on se fait chier à le voir comme il faut? Sur le paquet, il y a même des petits choux, regarde. Normalement, j'ai un petit programme. Eh non, mais regardez les gens, tellement il y en a beaucoup trop. Hein. Il y a des plumes et tout, mais elle est partie dans des délires. En plus, c'est numéro 1. Alors, menu. Hello, ma jolie cave. Te voilà toute prête à. Ah, putain. Hello, ma jolie cave. Hello, ma jolie cave. Te voilà toute prête. J'ai pas réussi à le dire une fois. Lis-moi le menu. Hello, ma jolie cave. Non, je fais pas ça, moi. Hello ma jolie cave, te voilà toute prête à agrandir ta céleri. Avec ce swap, tu auras de quoi rendre jalouse Barbie. Alors enjoy. J'ai peur. Franchement, j'ai peur de ce qu'il y a dedans. Si ce swap contient du textile, tu te dois de le porter au fur et à mesure que tu les découvres. Tes abonnés et moi ne veulent rien louper. T'es sérieux, Cassandre? Mais t'inquiète, je relèverai le défi, hein. Peu importe le textile qu'il y a. Du coup, tu te doutes bien qu'il y en a et c'est ça qui me fait peur en fait. Oh, je suis trop heureux. Gros bisous, Corentin, merci pour ta fidélité, Cassandre. Je vais l'afficher même dans mon décor. Ce sera là dans toute la vidéo. Eh non, mais regardez, quand tu l'ouvres. Commence par économiser ta salive avant de dire des conneries. Alors, le numéro 1, c'est celui-ci, avec le petit pompon. Non mais c'est trop chauffé, hein. Commence par économiser ta salive avant de dire des conneries. Pour toi, c'est quoi? Parce que le but, c'est de deviner avant d'ouvrir. Ah mais c'est à boire, ça doit être une bouteille. Oui, c'est une bouteille d'eau, ou une bouteille de quelque chose à boire, c'est sûr. Déjà, on va retirer le chouchou. Alors ça, c'est du textile que je ne mettrai pas parce que tu te doutes bien que c'est compliqué. Si, tu peux le mettre. Je peux ouvrir le... Tu peux le mettre dans ta barbe. Eh, tu sais quoi? Nope. Nope. Non, bon, pas d'accord. Pour que tu deviennes une licorne. Unicorn Strawberry Splash. 0 calories, 0 sucre. C'est trop stylé. En plus, elle prend son calories. Mais eh, franchement, la bouteille, elle déchire. Vas-y, je vais goûter. Ah, ça pétille. Ah putain, ça pétille. Ah, par contre, ça sera pas frais là. Pas du tout. Franchement, c'est trop bon. Putain, je vais me les boucher, mais ça sent bon. Ouais, parce qu'on est tous les deux malades à crever en fait au moment de cette vidéo. Alors, le kit de YouTuber Poney. Le kit de YouTuber Poney. Alors ça ressemble à ça, il y a un truc au milieu. Je m'attends tellement au pire. C'est quelque chose que tu vas devoir mettre sur toi. C'est sûr, c'est sûr. C'est quoi? Mon dieu. Oh, oh non. Alors, dans le colis, il y a plein de trucs. Tu m'as tué. Oh non. Alors, tu as le petit crayon de bois poney. Crayon de bois poney. En vrai, je viens de rentrer. C'était le cochon, ça. Après, c'est quoi ce truc-là? Mais c'est des vidéos. Ah, c'est. Non, c'est des gommes. Non. Si, c'est des gommes en forme de poney. Regarde, c'est trop stylé. Eh, franchement, ça, c'est trop stylé. Après, tu as. C'est un agenda, ça. L'agenda licorne, toute rose et tout. J'adore. Franchement, j'adore. De toute façon, sur son thème, on est d'accord que c'est sur le thème de la licorne. On avait pas deviné. Et le dernier, le meilleur pour la fin. Et ça, ce sera définitivement mon sac de poney. Sérieux? Pour mettre tes brosses dedans. Pour mettre mes brosses dedans. Le petit sac. C'est quoi ce truc-là? My Little Pony. My Little Pony. Attends, mais c'est du textile. Je suis sûr que... Donc... Attends, faut que tu le mettes. Faut que je le mette? Oui, faut que tu le mettes à ton dos, attends. Bon, bah... Puisque... Est-ce qu'on peut considérer que c'est du textile? Je suis magnifique en plus comme... Alors, numéro 3. Ça passe encore pour un mec. Ça passe encore pour un mec. Numéro 3. C'est des chaussettes? Ah, c'est un porte-clés. Non, bah non. Non, on dirait. Bah tiens, j'avais raison.
C'était des chaussettes. Bah oui, ça passe encore pour un mec, oui. C'est un peu rose quand même. C'est un petit peu rose. Tu vois, j'avais raison, c'est des chaussettes. Donc c'est des chaussettes Laura Garelli. Bah écoute, je ne connais absolument pas cette marque. Mais en vrai, elles sont pas mal. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je mette mes chaussettes au-dessus de mon jean, c'est ça? Oui. Tu vas me faire ressembler à quoi, Cassandre, à la fin de cette vidéo? D'ailleurs, elle est où la bouteille? J'ai soif. Regardez, ils sont stylés avec les petits morts et tout. Bon, mêlée. Ça passe. Donc, retarde pas le moment là. Je veux juste pas qu'on voit mes pieds. Quoique, on y a déjà mes pieds sur la chaîne de Cassandre. Hein, Cassandre, après tu m'as envoyé dans le beuvron. Faut que tu les mettes au-dessus du pantalon, hein, comme si t'étais au poney. Au-dessus du pantalon, comme si j'étais au poney, sauf que je suis en jean. Mais t'es sérieux? Petit truc écrit sur Est-ce que je suis pas trop belle comme ça? Tu peux dire pour Edora. Non mais sérieux, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes que je tourne, j'ai déjà un sac à dos, ma Little Pony sur le dos et des chaussettes roses et bleues. Je sais pas dans quel état je vais finir les amis, mais à mon avis ça va. Numéro 4. Oh oui, mon poney c'est le plus beau. Oh merde. Non, t'as pas osé faire ça, Cassandre. Pauvre poney. C'est du vernis? C'est quoi? Oh mon dieu, ouf. Ah non, c'est un cure-pied. Si oui, c'est un cure-pied. Au début je croyais que c'était une corne de licorne pour accrocher sur le... Il y a marqué I love my pony dessus. Non mais en vrai il est en cuir et tout, il est trop stylé. Numéro 5, pour scintiller aux écuries. Ça sent les paillettes, ça sent beaucoup de paillettes. Numéro 5. C'est gros? C'est du textile. Oh merde. Moi je vais devoir le mettre, ça je peux vous le garantir. Bah du coup je vais scintiller tout de suite, hein, à mon avis. Dis-moi. Bah voilà, il y a un pantalon. Oh non. Avec des strass absolument partout. Je vais t'en mettre ça pour aller au cheval. Je le mettrai pas en temps normal, tu vois, mais je vais devoir le mettre tout de suite maintenant. Regardez le bouton, c'est un diamant. Bon, bah je vais aller le mettre le pantalon, ça fera toujours mieux que le jean, hein. Même s'il y a des strass, j'aurai toujours moins l'air con. Reviens tout de suite. Du coup, mon très cher ami, je me retrouve avec un magnifique pantalon, des jolies chaussettes bleues et roses avec les petits morts. Et bien sûr, le petit pantalon. Avec les strass. Bref, passons au cadeau suivant. Enfin, au colis suivant. 6. Et pour aller avec le souci du détail. Pour aller avec le pantalon donc. Qu'est-ce qu'il peut aller avec non, le pantalon? Non mais je le sens pas pour toi non. Genre une ceinture, un truc comme ça, le souci du détail. Ah mais si t'as trop raison, c'est ça. 6. Bah oui c'est ça. Jamais une autre ceinture en plus exprès parce que il tombait. A ton avis elle est comment? Bah les roses. Rose avec des licornes ou rose à strass? Là je sais pas. Ok bébé. Par contre, allez. Bah elle est rose. Elle est très très rose, elle est beaucoup trop rose. C'est une petite ceinture rose comme ça. J'aime bien moi. Bah ouais elle est sympa. Bon bah c'est parti, je vais la mettre. Alors pour des petites raisons que ça ne passe pas en fait dans les passants, bah je l'ai mise là. Voilà, comme ça c'est du textile et je l'ai quand même porté, je continue le défi. J'ai vraiment l'air d'un con, plus ça va aller, je crois que plus ça va finir. 7. Pour les humains c'est kitsch, mais pour les poneys aussi, alors ouvre-le. Une boîte. Non, en plus tu nous poses des colles, faut réfléchir, tu sais pas que dans ma vidéo on réfléchit pas moi. Une boîte et il y a quelque chose qui est kitsch. J'en ai aucune idée. Mais si, c'est ça. Les céréales, mais non. T'as trouvé ça où? Non mais c'est énorme, j'ai jamais vu ça de ma vie. Des céréales licornes. Des céréales licornes. Non mais la preuve que tu sors jamais. Ah mais c'en est pas en fait. Ah, c'est kitsch. Kitchen. Je suis sûr qu'elle a fait un jeu de mots. Cuisine, c'est un gâteau pour poney. C'est trop stylé. Merci Cassandre, tu viens de me donner une vidéo. C'est un cake pour gâteau. Pour gâteau. C'est un cake pour gâteau. C'est un cake pour chevaux. C'est qu'en plus j'avais trop envie d'essayer ça. Bah j'irai pas le faire tout de suite, mais je le ferai en vidéo. Ça y a pas de problème. Un bon bain moussant. 8. Alors, bah déjà ça fait une bouteille. Ouais, ça va être du shampoing. C'est bizarre parce qu'il y a un truc derrière, il y a un truc mou là. Ça va être du shampoing, tu sais, avec une éponge, tout à fait. Shampoo, parfum, fruits rouges. Ça fait vraiment Barbie. Genre tu veux vraiment que ma jument elle sente la Barbie, genre de bout en bout. Est-ce que ça sent bon? Bah en fait j'ai une débouchée, je suis malade. Toi tu sens quelque chose? Et après, une éponge à plastique. Or. Ouais, ça sent bizarre, mais ça sent quand même le fruit rouge. Une éponge rose, avec du produit rose. J'ai même pas tué l'éponge. Non, elle va gonfler normalement. Mais n'importe quoi. Mais en vrai, tu y rigoles, mais c'est hyper pratique. Parce que du shampoing, j'en ai jamais. Et des éponges, j'en ai pas non plus. C'est hyper pratique. Bon, c'est vraiment hyper rigolé. Oui, en effet, hein, comme tu le disais au départ, je pense que je vais pouvoir rendre jaloux Barbie hein, avec tout mon rose. Alors, du parfum et que ça brille. Numéro 9, celui-là. Du parfum et que ça brille. Ah, Lucie, du parfum avec sa brille, ça te fait penser à quoi? Oh non, rien. Qu'est-ce qui sent bon et qui fait briller? Moi j'ai trouvé. Du lustre. Et je suis. Oh. Ah, il est trop rigolo. Et ben c'est un. Ah non, c'est oui! C'est Magic Brush qui fait ça. C'est Karen Shine, en fait c'est un démêlant si je me trompe pas. Karen Shine Magic Brush.
Putain, mais si. T'as déjà fait une vidéo dessus, je suis sûr. Non, c'est du démêlant, je vais pas mettre ça dans mon lit quand même. Vas-y, passe tes cheveux, on va voir. Moi, je crois pas, non. Mais si, viens, on va démêler ta crinière. Mais non. Mais c'est mort. Viens démêler ta crinière. Non, c'est mort. 10, cette couleur peut largement passer avec tes cheveux bruns. C'est un t-shirt, ça. Bon, c'est sûr. C'est tout ce qui te manque, hein. C'est ce qui manque, hein. Non, c'est pas un t-shirt. C'est un bonnet. Non. C'est une écharpe. C'est une écharpe. Comment t'appelles ça? C'est une écharpe? Un châle ou un... Ah, c'est un cache-cou. C'est un cache-cou. Un cache-cou. Comment tu mets ça? Mais tu fais comme ça, regarde. Mais non, mais tu es vraiment trop con, hein. Alors, tu fais ça. Après, tu fais ton 8 de chiffre comme dans ton manège. Et tu fais ça. Trop sexy. Parce que de toute manière, on est vraiment à ça après, hein. Entre les chaussettes, la ceinture ici, plus le cache-cou. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on est dans le ridicule? Oui, c'est normal, t'es sur ma chaîne. 11. Celle-là, je te mets au défi de faire un placement de produit. C'est le 11, c'est bien ça? Ouais, c'est le 11, c'est l'avant-dernier. Alors, elle me met au défi de faire un placement de produit avec ça. Ça a l'air d'être du texte. Ça fait un peu bizarre pour du textile. Par contre, ce textile là, je le mettrai pas. Oh, il est grave, c'est grave joli. Tu sais, ça me fait penser un peu en mode tectonique, tu vois. Tu sais pas les mettre. Je sais pas les mettre. Quel plaisir d'être enfin devenu influenceur. Une soirée est organisée dans ton club, tu vas avoir un look rétro disco. Je te propose ces magnifiques bandes complètement. Mais pourquoi tu es là? Ah, c'est une blague, viens de les enlever. Mais t'es con, quoi, t'as tout niqué, faut que je recommence. Pourquoi t'as fait ça? Je venais de les enrouler comme il faut. Avec ces bandes, ayez un look rétro chic à tous les coups si vous voulez briller dans vos écuries, les fêtes du club, etc. Avec les bandes. Polo Wrap, pour poser ces bandes, rien de plus simple. Il suffit tout simplement de prendre le petit bout, de le mettre sur la jambe de votre cheval. Oui, les chevaux portent des jeans, et alors, et des pulls. Et de l'enrouler, de l'enrouler, de l'enrouler, de l'enrouler, de l'enrouler. Je sens le running gag beaucoup, beaucoup trop long. De l'enrouler, de l'enrouler. Je sens que c'est descendre. Ta gueule. De l'enrouler et de le... On l'a mis à l'envers. Bon bah voilà, ça sera tout pour le placement de produit. Hein. Bon, on la enroulera après. C'est pas grave. Oui, ça dégage. C'est un gros bordel entre les cartons et tout. Et enfin, le meilleur pour la fin, hors thème, mais il fallait marquer le coup. Alors, à ton avis, qu'est-ce que ça peut être? Je sais ce que c'est, moi. Toi aussi, tu sais ce que c'est. Moi aussi, je sais ce que c'est parce que elle m'avait demandé mon avis pour celui-là. Et je suis beaucoup trop content. Et ça, je peux vous dire que vous les verrez sur mes prochains vlogs concours. Putain, il est trop beau. Attends, c'est un... Oh, j'adore. Là, attends, je vais pas vous le montrer. C'est un tapis. C'est un tapis. C'est un tapis privilège équitation, sauf que... Tadam. J'adore. Non, c'est trop stylé en vrai. Mon petit logo de gravé sur un tapis. Tu peux plus changer ton logo. Et voilà, j'ai plus le droit de changer mon logo maintenant. Merci Cassandre parce que je le trouve trop trop stylé le tapis. Il est bleu, alors bleu, à mon avis à la vidéo ça rendra pas hyper bien. Il est bleu clair. C'est lavande. Bleu lavande, voilà. Avec les petits rebords en bleu foncé, bleu clair. Et à l'intérieur, si je me trompe pas, ouais, il y a un nid d'abeille. Et il est trop stylé. Je kiffe. Bref, je range mon bordel et on se retrouve après. Bref, je te confirme ce que tu m'as dit au début du swap, Cassandre. Oui, à mon avis, je vais pouvoir bien rendre jalouse les petites Barbie. On était clairement sur un swap bourré de roses. D'ailleurs, vous avez vu l'éponge, elle a grossi depuis tout à l'heure. Bourré, bourré, bourré de roses, de paillettes et de trucs que j'ai encore sur moi là et qui me scintillent de partout. On était vraiment sur du Barbie, donc tu as complètement réussi le pari, Cassandre. En attendant, une fois que tu auras vu cette vidéo, et eh bien je t'invite à aller sur la chaîne de Rêve Compulsif, puisque quand cette vidéo sortira, et eh bien Cassandre aura déballé le swap que je lui aurais fait sur sa chaîne, et du coup tu te doutes bien, le swap sera un swap de garçon. Donc bien sûr, le lien de sa vidéo sera en description. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me soutenir sur YouTube, hein. YouTube c'est le moyen de m'aider financièrement totalement gratuitement pour vous. Tu peux aussi me lâcher un petit sabot bleu, tu peux également t'abonner pour ne pas manquer une prochaine de mes vidéos, et moi sur ce je vous dis à plus les caves. Merde, je dis que je le ferai pas comme ça parce que t'es là, tu m'as swap. Tu m'as snap. Non. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à ranger tout ce bordel. Regarde tout ce qu'il y a à les mettre à la poubelle. Tu te démerdes. Saloperie. Fin de tournage.